Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue. Bonsoir tout le monde ou sous TV La Caille. Et nous content pour tes vidéos ça pour vous. Nous remercions si là-haut et qui souhaite passer bel moment ça avec nous et donc une émission. Et nous profiter de remercier tout si là-haut encore une fois donc qui abonné, partager, like vidéo nous. C'est toujours avec même plaisir à chaque fois nous rejoignons pour une nouvelle vidéo. Gros conflit entre pays Saint-Domingue avec Haïti, eh bien Claude Joseph finalement révélé tout un gros travail monsieur ça a fait dans tête ministère mais côté il était corrigé Kay Abinader qui c'est président pays Saint-Domingue et puis tout eh bien qui était lui-même débarqué personnellement en chair et en os dans palais eh bien Saint-Domingue pour te demander avec Abinader suspendre par les vieux causés sur Haïti. Nous allons vite au détail. Et puis il y a un dossier assassinat président Jovenel Moïse. Finalement, Claude Joseph by détail sous liste ou bien document et mercenaire t'a cherché après te fin exécuté président. Nous allons vite au gain tout détail ça. Vous êtes connecté sur live là, sur vidéo, disons, n'a pas tout. Quelque chose média ou mettez en balle. Ouais, je vous dis, m'a dit ça. Le contexte et puis on met en média en balle. Il va bien même pas que l'audit est ce coup-là. Ça, c'est pas un bain à vanter tout le temps parce que, ou est-ce pas fait pour l'autre média, justement parce que depuis l'audit scoop, qu'on a une information qui est vérifiée. Donc, nous vérifions donc et que c'est nous qui mettons l'information ici et nous parlons de ça pendant l'émission, ça, parce que le débat que nous allons parler. Vous comprenez? Donc, qui je me dis là? Ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, militant politique, intellectuel, celui qui a fait trembler Abinader, la République dominicaine. Bonsoir, Claude Joseph. C'est un plaisir pour nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous recevoir parce que nous sommes très contents le fait que, au moins, les Haïtiens, qui sont dominicains, comme c'est des gens ici toujours, ouais, et Abinader, senti ça, il a déployé tout le pour mettre en charpie et amener des morceaux. Mais nous autres, nous sommes là, nous sommes les fils de Dessalines. Nous sommes très fiers de vous-même par rapport à la bataille que vous menez face à la République dominicaine. Et je vous dis à me connaître, Dominicains vont suivre, parce que vous voulez m'annoncer ça. Il y a des Dominicains qui font des contacts, qui disent, vous pouvez parler. C'est sûr, vous pouvez dire à Abinader, ça qui passe, qui sont dit. Et je vous dis à Gendebaï, nous pouvons parler avec Abinader. Donc, comme moi, je ne vais pas qu'on dans la République dominicaine, donc je ne vais pas besoin de moi. Mais nous dit des bagages objectifs et très sérieux. Claude Joseph, bonsoir. Nous bien contents de nous recevoir aujourd'hui. Bonsoir GPPC, bonsoir Mano, Val, Campagne, et auditeurs, téléspectateurs, monde qui a regardé ça et jeudi. Et d'abord, j'ai eu plusieurs considérations qui ont commencé avec mon sympathie pour mon Capio. Moi, y a vivre un moment qui est extrêmement difficile, donc sympathie pour la famille et victime. Moi, j'ai fait, et bon, alors jeudi, je parle avec quelques autorités dans la ville là. Mais particulièrement et maire là pour m'exprimer et sur les sympathies avec yo Gary peut-être vous capable songer ça et aussi pour mes monde qui va me parler dans micro très jeune Mathieu Max impasse quelle issue et ensuite on va me parler en pile tout dans Haïti aujourd'hui oui dans signal donc là c'est et une expérience encore et ça peut-être on ne pas connaître on va même songer ça même oui, hein? Ouais. Mais hein, parce que l'issue c'était une émission phare hein? Avec Gary Pierre Bouchard et quittez-moi remercier Scoop Gary parce que vous êtes rare média haïtien qui était campé DM dans bataille face avec Abinader pas avec République dominicaine parce que son peuple frère et son pays voisin que m'a toujours cherché de bons rapports, de bons voisinages. Mais avec l'ingérence, ou bien si vous voulez, m'ta capable d'y idée expansionniste et hégémonique et Abinader et par rapport à République dominicaine, mais un regard condescendant sur Haïti. Alors que tout média dominicain yo supporté Abinader dans la bataille il y a. Et vous savez, un média qui est campé, et bon côté, moi j'ai vraiment apprécié ça. M'apprécie également quelques sénateurs, Edo Zeni, dans Jacques Mel, et sénateur Lambert, et avec quelques autorités politiques, également Yuri La Tortue, qui fait des tweets pour dire qu'ils supportent dans
et nous sommes capables de dire des marches. Ce n'est pas un bail conflictuel que nous avons cherché moi-même, mais c'est le respect et nous sommes capables de dire de pays. Si on prend des décisions pour pays, il faut consulter l'autorité haïtienne ou bien il faut inviter. Et toute autre chose considérée comme, nous sommes capables de dire, deux approches condescendantes et par rapport à Haïti. Donc vraiment gagnant et on t'a capable dit et de monde qui pas comprendre ça bien par exemple et me songe j'étais tout de suite nous viens prendre on vient faire tweet là pour moi expliquer que également République dominicaine gagnant et insécurité tout faut que deux pays yo autorité deux pays yo mettent ensemble yo et adresser question insécurité sur l'île là. T'es un pile, t'es capable de dire, monde malentendu, compréhension, etc. Et gen moun qui dit, mais on mette étudiant yo, haïtien yo nan problème. Étudiant haïtien yo, pendant l'université de l'État, allé en République Dominicaine. C'est 52 millions de dollars que nous investissons bail et nan université privée et dominicaine. Donc, Haïti, dans ce sens, c'est la main qui donne. Donc, là, par exemple, yo vle faire chantage pour yo faire nous plier par rapport à des positions que nous prenons, de principe, et nous rappeler que non, c'est... Et moi, j'étais content également que les étudiants haïtiens en République dominicaine aient été supportés, nous étions capables de dire, moi-même comme chancelier, dans ce moment ça, et parce que eux-mêmes n'ont pas pris un chantage qui t'a fait sur question visa. Non, mais rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Est-ce qu'on rencontre Abinader? Est-ce qu'on parle avec elle? Dis-nous son deal, parce que quelque part, j'ai l'impression qu'on va ou dire monsieur que tu es dérangé. Alors, quittez-moi, Gary, qu'en 2020, nous avons tourné en République dominicaine. D'ailleurs, Scoop écrit sur ça tout. Nous avons tourné en République dominicaine, à faire des inspections dans l'ambassade et le consulat. Et regardez comment les Haïtiens ont fonctionné. Là, ça, nous avons une dynamique 4-4 électorale, etc. etc. Jovenel là, c'était sous Jovenel. Et nous avons eu une chance et nous sommes capables d'intervenir en public avec le ministère des Affaires étrangères et ancien homologue moi et sauvé Roberto Alvarez. Et dans la rencontre, ça, moi j'ai dit clair et que l'important dans le discours officiel yo, pour les Dominicains, officiel même, et suspendre avec narratif négatif sur Haïtien. Ça veut dire, parce que nous sommes très intellectuels, pour suspendre parler Haïti mal. Parler Haïti mal et parler Haïtien mal. Par exemple, là-dedans, c'est que Haïti sont charge. Là-dedans, nous pas. Non, paquet de bagages comme si Haïti sont pays, comme si. Qui... Donc, vraiment, de bagages qui pas intéressant que même besoin de répéter là. Mesdames, je te dis, ça clair pour yo. Si nous voulons un rapport de bon voisinage, donc c'est dans le discours officiel. Yo. Parce que nous, on est Abinader, le discours Abinader par rapport avec Haïti en vente de président. Mais c'est un constant lié. De pour arriver, par exemple, pour plaire ultranationaliste dominicain, il y a un discours que est obligé de faire. Donc, moi, je déclare. Ensuite, je parle à même, je rencontre avec Abinader à deux, en fait, accompagné bien sûr deux ambassadeurs par moi. Et eux-mêmes. Ambassadeur par moi. Ministère par moi. Moi, et reprendre, clair. Et ça me dit, je pense que l'important pour yo suspendre avec et je suis capable de dire narratif négatif. Et je comprends ça. Et l'aime tout n'est pas au prince. Le président Jovenel Moïse a accueilli ça très bien parce que là, il a fait la une des journaux en République dominicaine. Au point que l'ultranationaliste a demandé à Abinader pour déclarer une persona non grata en République dominicaine. Bon, effectivement, vous me dites que le pas fait ça. Au contraire, c'est un hélicoptère dominicain qui a voyagé dans tout Santiago, etc. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et l'homme venu, le président Jovenel Moïse a accueilli très bien. Et il pensait que, bon, écoutez, c'est vrai, il faut que traiter Haïtien et Haïti comme ça. Il n'y a pas de voyer, on charge, il n'y a pas de voyer, on envoyé spécial, ou bien on émissaire. Mais ensuite, moi-même, président Jovenel Moïse, nous rencontré plusieurs fois avec Abinader. Nous rencontré, je te comprends, ça me dit alors, ce n'est pas aucun problème. Nous rencontré avec président Jovenel Moïse, avec Abinader plusieurs fois. Et nous sommes capables de dire. Et c'était de très très bonnes relations. Avec président Jovenel Moïse et Abinader, tu as commencé, nous sommes capables de développer une très bonne relation. Pendant que moi-même, mon ministre des Affaires étrangères. Et bagaille qui va commencer à gâter le rapport.
c'est sous pression ultranationaliste, sous question canal d'irrigation sur rivière Massacre. Or, m'a dit ça là aujourd'hui, hein? Et alors, qui t'aime pas, et il était commencé par un problème, malgré, m'a dit ça franchement, que officiel dominicain n'a pas eu trop de problème avec canal là. C'est qui a ce problème là alors? C'est ultranationaliste, mais il a obligé de travailler là. Et moi-même, l'un des ministres affaires étrangères et premier ministre, moi, déclare, sous président Jovenel Moïse, nous te dit, moi te dit que nous ne pouvons pas camper le travail là parce que Dominique n'a pas vu. Parce que c'est sur le territoire pas nous, la fête. C'est ça que fait. Nous avons écrit pour le ministre, pour me dire, mais qui travaille. Parce que pour le ministre, il est venu, il n'est pas contre le dossier, c'est normal. Oui. C'est pas seulement communiquer dans la bouche pour pas communiquer. Pas de transition qui t'est évidemment. Fait ça en termes de dossier. C'est pas communiquer dans la bouche seulement. Il faut envoyer le dossier à Bali. Moi dis, voilà, mais ça travaille là. Moi expliquer, moi dis que. Il faut nous pas céder sous pression dominicaine. Il faut que le travail a commencé. C'est vrai que Rivière a pris naissance en République dominicaine. Mais son bail qui s'est apporté, République dominicaine, Haïti, etc. Oui, oui, oui. Et grand affluent, yo, et nous sommes capables de dire qui, la Rivière et plus la Rivière plus l'autre force, c'est en Haïti aussi. Ah, ok. Vous comprenez? Donc, c'est ça peut-être que nous ne connaissons pas plusieurs malentendus sur question ça. Donc, par rapport à cette question ça, et grand pile monde qui estime, vous êtes l'un des rares ministres haïtiens des Affaires étrangères à ne pas courber les chines devant un président étranger. Donc, on a parlé de Abinader. Mais l'on des réactions, yo, par exemple. Il y a des gens qui disent vous mettez en danger hein, les ressortissants hein, haïtiens en République dominicaine. Il y a qui battent bravo, tout. C'est un acte de bravo. Hein, et qui ça s'adjoue? Écoutez, moi-même, et j'aime dire, et action sérieuse, c'est action qui permet que moi j'étais entier. Moi, j'entends quelques critiques, mais c'est des monde qui pas dans question fierté pays, qui pas dans question patrie, mais c'est surtout des monde qui ont des intérêts personnels, individuels, etc. Et en République dominicaine. Pas oublier que je dis, la République dominicaine, c'est une autre destination pour la classe moyenne et haïtienne. Donc, m'pa gen problème avec ça parce que nous-mêmes dans l'État, nous, gen on bagaille nous manquer fait. Pas vrai? Et bagaille là-bas, une question de orgueil seulement, non? Ouais. Et orgueil là, il est important. S'il est nécessaire, il va suffisant. Il est nécessaire parce que la permet tout dire que si m'gen orgueil comme ça, m'pa vle que les femmes qui va la coucher, il y a le maltraité en République dominicaine, mais on fait maternité pour yo, on construit la gaille, etc. Donc, m'pense que orgueil là, il est extrêmement important. Et même tendez un ensemble de critiques et moi-même pensais que comme chancelier vais ça me faire et contrairement peut-être dans le livre m'a expliqué elle m'a camper seulement devant et m'ta capable dit Abinader tout étranger qui est dans le pays qui gon regard condescendant par rapport à Haïti moi j'aime toujours parler avec eux il y a des monde qui ca expliquer une pandame de ministre affaires étrangères ça quelque ça monde ta caler des clash. Deux monde qui très condescendant hein par rapport avec Haïti moi relé au météo en place yo moi convoqué au dans bureau moi dit pas jamais faire ça encore sur question Haïti a si vous faites ça l'autre étape là c'est personnel non gata la on menace yo bon ça c'est oui justement parce que moi-même moi connais que l'ambassadeur panou yo par exemple si vous faites si vous faites si on entre dans politique étrangère politique interne on sait de pays mais qui sort qui réservé avec yo et ben moi-même également. Donc, moi, je fais face avec des situations comme ça. Mais peut-être que, après 10 ans, nous allons expliquer. Non, moi, je suspecte ça. Attendez. Et, quand il y a un nouveau président, on a le direct Kounia. Qui est-ce qui tue le président? Bon. Mon cher, je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça, c'est la première réponse plus simple. Maintenant, qui est-ce qui a intérêt à tuer le président? Qui te dit que le président a lancé une bataille acharnée contre les oligarques corrompus de ce pays. Ouais, gagnant qui quitté pays a gagnant qui l'a. Mais bataille ça, c'est une bataille que le président a mené à toute force li pa gen moun qui pa konn ça. Ouais. Et le par exemple rapport de CPJ a et tout le monde connaît son secret, c'est un secret de Polichinelle. Ou bien John Joel Joseph qui participait dans l'assassinat. Ou bien Badio qui participait dans l'assassinat.
ou ensemble de monde comme ça, tout le monde connaît côté au sorti origine politique etc. Bon là moi même pas vle parce que on connaît gain un juge qui a instruit dossier là, mais ça c'est première considération. Deuxième considération. L'autre considération yo, c'est on ta capable dit ça n'a pas gardé là. Moi même par exemple, on tombé sur un article New York Times écrit. Et article New York Times ça, l'aime tomber sous lui. Et moi, je lis n'importe 3 ou 4 fois. D'abord, je lis en anglais, parce que c'est la version anglaise de gagner. Et puis ensuite, je lis en français. Ben, ça fait me comprendre que son crime qui a une dimension transversale, qui traversait de famille politique, et je suis capable de dire, et ou pas commencer ou elle. Par exemple, l'un des premiers ministres, Gary, il était étonnant. Son monde qui n'a pas famille politique Jovenel Moïse qui dit que papa l'élection à même qui dit que papa l'élection à Claude Joseph. Non. De qui vous parlez? Non, m'a parlé de PHTK. Ouais, qui dit que famille, c'était dans le Nouvelliste. Oui. N'est-ce pas qui dit on parle là? Bon, il pas dit pour qui ça, on parle là. Mais moi-même, je connais pour qui ça. Pour qui ça? Parce que moi-même, si je organise une élection, pas gagner qui d'avoir le volel. Pourquoi pour qui ça, président Jovenel Moïse t'es choisi? Président Jovenel Moïse t'es choisi parce que moi, pas de gagner un camp politique particulier. Moi, c'est seul et ministre affaires étrangères et en fait premier ministre monsieur pas jamais dans un gros salon ba dans Péguyville ba de côté mon yo pas connaît vous comprenez d'ailleurs donc si ça pose problème si c'est ça que t'es tout mais c'est ça tout pour me capable de dire une espèce de handicap majeur hein? Parce que bon monsieur manque transversalité même si me connais monde politique dans pays même si yo connaît tout même des font choix l'aime des premier ministre pour ne pas contacter politicien, pour ne pas parler avec personne, pour quelle raison? C'est tout simplement parce que dès qu'on aime la petit bout de temps, moi pas de vouloir entraver le processus de négociation politique. L'autre premier ministre, pas qu'on porte cobla chaque mois, comme intelligence, parce qu'on cobla le premier ministre pour porter chaque mois. Pour bailler qui bon? Pour bailler chaque mois. Non, ah, c'est équipe politique. Non, pas moi-même. Tout premier ministre net passé dans la même situation. Oui, mais c'est ça que fait moi. Et peut-être c'est ça que fait. Je ne vais pas arrêter parce que je ne vais pas te faire. Je ne vais pas te faire un rapport. Je ne vais pas oublier que je suis un premier ministre à d'intérim qui a compté jour. C'est moi tellement je ne vais pas te arrêter comme premier ministre. C'est moi qui rappelle le président Jovenel Moïse. Date l'arrivée. Il y a des gens qui disent que c'est la première fois qu'on est dans le pouvoir. Et puis c'est lui qui a rappelé. Il y a des gens qui disent est-ce que son maître dame, par exemple, son maître dame qui a fait là. Non, mais c'est moi qui rappelle le président. Vous comprenez ça? Moi, je reconnais la faiblesse PAM. Faiblesse PAM, c'est que moi, je crois que le président a besoin de monde qui a parlé à tout le monde. Et monde ne peut pas parler à vous. PHTK ne peut pas parler à vous. Ok, donc ça veut dire que c'est mon premier handicap. Ça veut dire son problème. Son premier handicap. Alors, je ne peux pas dire que PHTK ne peut pas parler à vous. Non. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a gagné de. Pas connaît. Et de bagarre parce que je ne vraiment et parce que je connais un pile mon PHTK et que je connais et je ne connais aucun problème avec personnel mais je connais si c'est des problèmes politiques et est-ce que ça gagne ouais par exemple peut estimer que je pas de bataille avec président Jovenel pour monsieur Vinban moins pour ça etc. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez, moi-même, pas un problème avec ça, j'ai plus envie d'aller. Parce que... Et Gomba qui vient de tout, pas oublier, il y a des réflexions que de l'autre premier ministre fait, des discussions que tu as parlé. Par exemple, il dit joute, sans comprendre nous, ou pas de goumé, donc ou pas qu'à là, et puis on va pas occuper Jovenel, mais on va occuper nous. Donc, voilà. Donc c'est pour me dire qui ça, Gary. Et... Alors, on est qui voit le premier ministre, il va organiser l'élection. Et ou regardez tout ça qui est venu là, c'est de ah, m'te capable de dire ou faire face avec yo et ou pouvez avoir moyen pour gérer yo. Donc, moi même j'ai plus envie d'aller retourner dans le ministère des Affaires étrangères. Pas peur. Parce que m'te ouais président. Ou bien ou inconfortable. M'te ouais président Jovenel Moïse tiraillé. M'te ouais son président qui, par exemple, est en situation difficile. Et. Monsieur est même en pile. Monsieur t'a souhaité que c'est moi qui rete comme premier ministre. Mais un jour, je viens de dire, Claude, il n'y a pas à vouloir. Il n'y a pas à vouloir. Je
dit, monsieur dit, pas vrai. Non, vous connaissez. Monsieur très à l'aise avant. En pile. Monsieur dit, pas dit, président. Vous connaissez, moi-même, c'est moi qui ai appelé, qui l'aime mal. Donc, vous connaissez pas. Monsieur Rélé, dit, il dit, pourquoi j'aime moi et je suis capable de dire, on est élégant comme ça. Moi, je finis avec le président, avec le premier ministre qui était désigné alors. Ariel? Ariel. Même quand nous finissons la Kalia, je passe pour tout le bail, je suis mature. Et puis, je vois tout le matériel aller. Parce que je suis tellement. Besoin parti, libérer, monsieur. Pour qui ça vous fait ça? En vrai, pour qui ça vous fait est-ce ça? Que, est-ce que. Attends, l'âme non l'autre dynamique. Yeah. Est-ce que le président finit chita à voir avec Ariel ou pour la fois? Est-ce que vous avez une conversation continue avec le premier ministre Ariel? Non, nous n'avons pas de conversation continue. Nous avons une conversation avec le président, un gentleman. Ariel, c'est un gentleman. Oui. Ouais. Un homme simple. Et il faut que nous d'accord avec ça. D'ailleurs, là, je dis, monsieur le docteur, il est monsieur le docteur. Je dis, ah, mon cher, il est Mariel. Je dis, monsieur PM, après le PM, je dis, non, je sais, PM, là. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'était. Et puis tout de suite, arrêté à finir sorti. Et, comme c'est peut-être le premier monde qui est monsieur. Oui, le monsieur. Et puis, ils font tweet. Jovenel toujours là, il est beaucoup oui, Jovenel toujours là. Libre. Là, je parlé de arrêté sorti le 5 là. Oui. Donc, le 5. Arrêté à sortir Ariel nommé, malheureusement. Attends. Les sorties, les fins sorties, ou même quand on n'a pas pu venir encore, le président parle avant, il dit où c'est Ariel? Non. Le président dit que c'est Ariel depuis avant. Depuis avant. Dans la rencontre, nous avons avec le président Ariel, nous parlons. Et c'est pendant ma sortie avec le président au contraire, passer dans le bureau, bagaille, et vous faites deux trois coups de fil, et vous allez dire, oui, donc pas de bien vraiment rien, parce que le président est clair, il y a deux mondes qui ont prêté dans le gouvernement, certains, c'était Claude Joseph et Boisvert. Ah, tout le monde a dit ça. Non, il a dit ça devant. Et là, il y a l'autre monde là. Vous ne pouvez pas citer, non? Oui, évidemment. Donc, ouais. Et puis, mal là quand même. C'est pas parce que moi, non? Qui va me dire pas citer, non? Parce que là, moi. Vous comprenez? C'est pas tout vrai. Oui. Donc, mal et puis, je ne vais pas traiter en communication avec Ariel, sinon, les arrêter à sortir. Ok. J'étais vraiment content. Et puis, je fais un tweet, président content, je vois tout là-bas, tout le monde. On a les 5. Oui, les 5. Monsieur, vous voyez tout là-bas, tout le monde, etc. etc. On a rappelé. Le 7. 6-7. Bon, alors c'est ça qui. Sous mon appli rapport DCPJA, dans le commencement rapport, DCPJ dit. Et vous avez cité. Et m'a cité. Président de la chasse en premier ministre, lui nommé premier ministre le 5, et le rapport, contre toute attente. Président mourit 48 heures après. Bah qu'on est parce que enquêteur de CPJ, yo bon façon, yo glissé, yo bon, yo extrêmement bon. Le 7 président assassiné, la Kaili. De 48 heures de temps après que le président fin nommé au premier ministre. Que au Bali, m'a vle di au fossile, même cadeau. C'est pas de volonté président à 100%. N'importe monde qui conn président cadeau ça. Et mais il était obligé. Il était obligé. 48 temps après président mourit. Disons, et, tuer, monsieur. Je tuer, monsieur. Il y a une différence entre nous. Excusez-moi, je ne sais pas ce que je samedi. Yes. Et il a assassiné. Oui, monsieur. Yeah. Alors, on a parlé de l'enquête des CPJ qui font un travail extraordinaire. Là, nous avons de bons techniciens dans le pays. Il faut nous parler de ça. Rapport à l'intention de arriver dans le paquet. Et monsieur Paquet, yo, et, bon, Zami Claude Belfort, Captain Dimla, attention, pas lire rapport. Et pour qui ça dit ça? Premièrement, je demande pour qui ça dit CPJ. C'est numéro Premier ministre, le mettez, le pas mettez. Non. Et pour moi, ça m'a étonné parce que les gens qui ont un rapport, ils ont dit c'est Ariel. Mais ils n'ont pas mettez, non, et Premier ministre. Numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Mais est-ce que vous mettez, est-ce que vous l'autre nom, Mounio? Son ensemble de numéros de téléphone, peut-être. Oui, il y a quelques numéros qui mettent, mais il y a un pile de numéros qui mettent. C'est là, par exemple, qui doit composer.
Là, on m'a dit que c'est pour le ministre Ariel. On m'a obligé de composer le numéro. C'est vrai. Et c'est... Regardez, ça a étonné que Badio était pas là avec lui dans le matin que le président fin assassiné. J'étais dans le PLN 5 et tout le monde connaît Wal Badio joué. Dans l'assassinat. Dans l'assassinat. Bah, ça, c'est. Bon, en tout cas. Pas oublier, non. Pas oublier. Information, ça va venir après. Bon. Alors, Fomdou, évidemment, c'est après. Oui, parce que si c'était avant, non, ou t'as un autre type de comportement. Non. C'est, ça va pas passer comme ça. Ah. Non, ça va pas passer comme ça. Je ne vais pas avoir un pouvoir avec un monde qui gagne et tout le bagage au sous-dol. T'es un marché pressé. Mais c'est après, je vais marché pressé. Pour Nia, on allait. Qui est-ce qui t'a forcé à aller vite? Parce que, attendez, on joue quatre sur table. Ouais. Parce que nous sommes dans une logique d'analyse. Ouais. Qui est-ce qui a forcé à aller vite? Parce qu'en fait, je vais me poser la première question. Ça. Moi, je vais dire. Je vais répondre. Ah, vas-y, ok. Gary, si je dis que je suis dans la même situation encore, je suis toujours à Ariel pouvoir, toutes choses étant égales par ailleurs. C'est-à-dire que je n'ai pas de information de débat avec Badio, que pas gagner information de toute implication ça on t'a pas le pouvoir pour qui ça t'a pas le pouvoir et surtout pas de vérité premièrement on parle de pour qui ça non pas de vérité mais on pas comprendre ça exact pas de vérité on t'a arrêté pour me faire avantage un petit groupe monde dans politique là comprendre mais moi-même faut me regarder 20 ans après est-ce que comprendre 20 ans après futur. Parce que moi-même c'est pour l'histoire mon travail maintenant bon dieu bagaille. Le 107.7 FM stéréo. Le merci. Vous rappelez ça. Le ou entouré d'un paquet de monde. Il y a des collègues ministres qui étaient très solidaires avec. Mais un paquet qui était gain temps dans Ariel. Non, ah OK d'accord. Ça veut dire beaucoup tôt où est mon yo bralé. Pas vrai? Il y a deux gros pressions qui ont fait. Hein? En pile, monde qui a un cob dans le pays qui a fait pression. Sous ministre, ou commencer le gouvernement commence à fermer sous. Donc vous avez été trahi. Non, pas trahi. Ou quand même interprété le comme ça. Le gouvernement commence à fermer sous. Ça, c'est pour un bagage. Et l'autre bagage, parce que moi-même, pour les dirigeants, il faut me dire le gouvernement a fermé sous. L'autre aspect, c'est que malheureusement, c'est après que nous connaissons, nous recevons un appel hier de 11 amis qui dit que vous te connaît depuis avant que Ariel parle avec Badio. Ça ne veut pas dire que Ariel participe dans la mort. Exact, c'est exact. Important, hein? C'est important. C'est important. C'est important. Mais vous te connaît ça dans l'appareil judiciaire. Qui a, de monde qui est replacé. Qui connaît. On est avec nous chaque jour. Ou pas, je me dis, moi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on a dit nous te connaît, etc. On dit non, mais ça va intéresser que nous te connaît ou bien nous pas te connaît. Et la forme claire, parce que et Premier ministre Palak Badio, il n'a pas dit que il a tué Jovenel Moïse. Mais il faut que lui fait tout ça. Mais attendez, vous avez dit qui passe, vous avez vu la sécurité Ariel? C'est de quoi? Ou devoir sécurité carrière, policier carrière, joue assassinat? Pas du tout. Non. Bon, il faut si on fait peut-être qu'il doit clarifier. Clarifier, exact. Backup, ça m'a capable les cortèges là. Cortège là. Par contre, si. Ouais. Allez, où en forme? Cortège là, n'est-ce pas? Et m'a capable de dire, t'es. Ariel, 7 juillet, le président mourir. À partir de 6 heures dans le matin. D'ailleurs, il faut me dire que à partir de 6 heures dans le matin, je prends commande. Moi, avec Léon Charles, ministre intérieur, et je suis capable de dire à l'autre ministre que je ne vais pas rappeler, nous prenons charge. Maintenant, nous connaissons que Ariel est déplacé. Ariel, je suis capable de dire pour le Premier ministre désigné, il n'est pas là. Je ne pas connaître côté lié. Côté lié. Automatiquement, que le président est mort, moi j'étais toujours en fonction d'Ariel pour installer. C'est moi-même qui est là.
cortège yo vinn joindre moi cortège yo avec moi avec les ministres moi fait un conseil des ministres à caille moi l'aime fait un conseil des ministres à caille moi et youn nan ministre yo va le dire automatiquement faut nous décréter état de siège c'était une pi bon décision que me devoir parce que si me pas prendre ça me fait mes ports aéroport me fait mes pays n'est que d'aller Donc, c'est un leadership collectif, comme dit ça, parce que les ministres qui étaient avec Jovenel Moïse et ils ont montré ça. Ils étaient présents, quelque chose à côté, mais à toute heure, ils sont là. Et qui étaient remercié au ministre encore Mathias Pierre. Mathias, oui. Qui étaient remercié Mathias Pierre. Qui étaient remercié au ministre encore Kofi. Jonas Kofi. Au ministre encore Nader. Nader. Comme c'était ça seulement. Il y a un pile. Pablo fait jalousie, non? Oui. Vraiment? Mais il y a un ministre qui courit dans un moment. C'est un moment de panique généralisée. Et il y a un qui courit. Exemple, moi-même, j'ai une incertitude. Ou bien, on ne sait pas, il va venir prendre. Non, automatiquement quitter la caille. Je suis obligé de quitter la caille. Mais côté Maléa, chez sécurité, me dit, je suis pas bon, je suis mal là. Je suis mal en l'autre côté. Je dis, mon ça, mon chien là, trop coincé, je suis mal en l'autre côté. Moi vinn à l'aise jusqu'à ce que moi vini très très tard me connaît que nous fait encercler nèg yo et cetera donc kounya nous commencer et cetera et pour pas le gagner dans gestion de crise pareil gagner un langage classique langage classique ça c'est que tout est sous contrôle l'homme dit tout est sous contrôle. Ça veut dire. Qui ça veut dire? Et m'a pas dit. Alors, non. Communiqué, elle dit tout est sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées. Ça, elle dit oui. Tout est. Et effectivement, à ce moment, nous avons un rapport que vous encerclez, monsieur. Si ce n'est pas leadership, ça, tout est sous contrôle. Et communiqué.